Oh mon Dieu, les amis, regardez. Regardez que je viens de croiser là. Dans la forêt de Pony. Eh oui, c'est un Riolu de niveau 55. C'est bien loin, c'est niveau 55. Je me demandais où vous pouvez trouver ça. J'ai trouvé ma réponse. Là, aujourd'hui, en date du 18. Il est quelle heure en ce moment? Ok, 23h05. Faut pas que je manque cette opportunité-là. C'est une chance inespérée, là, pour moi. Parce que c'est le genre de... Pour moi, c'est le type de Pokémon de combat idéal pour moi. J'en ai vraiment besoin d'un. Pour faire des combats avec ça. Je pourrais faire Coupe Psycho, mais... que j'ai pas envie de... comment dire... Y aller trop dans le rush. Fait que je peux y aller avec Plekwa ou Tranche Nuit pour qu'il soit affaibli pas très 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 fort. Oh, ouf. Une chance que le coup critique. Que le coup de critique quand même vous parle bien comme il faut. Oh, il va appeler de l'aide. Mais qui va appeler? Qui va-t-il appeler? Ah! Eh bien, il n'y a aucun Pokémon qui en vient à la rescousse. Oh, ben, c'est dommage ça. Bon, dans mon sac, checkez bien ça. J'y vais avec la Super Bowl. Allez, go! Attention. Attention, ça s'en vient. Presque. Oh yes, premier coup, yes, yes! Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta! Bien sûr, enfin je l'ai, mon Riolu. Enfin, j'ai pas eu besoin d'aller voir une astuce pour savoir comment le trouver. Je voulais le trouver par moi-même, puis j'ai réussi à le trouver par hasard. En plus, il est de niveau 55. Viens, ils font vite. Quel Pokémon tu as moi si tu se m'as attrapé? Bon, ok. Et oui, c'est le Pokémon Émanation. Il perçoit sous forme d'ondes les émotions des humains et des Pokémon, ainsi que tout ce qui l'entoure. Si je vous donne un surnom à Riolu, Ouais. On va voir son résumé. Curieux. Bon, allons voir les attaques qu'il y a pour commencer. Grincement, compte, machination, tout ou rien. Mais qu'est-ce que c'est ça, ce tout? Tout ou rien. Ok, une attaque très risquée. Le lanceur perd tous ses PV restants et inflige autant de dégâts à l'ennemi.
Puis le compte, c'est quoi? Le lanceur ne tient plus ses coups. Plus ses PV sont bas, plus l'attaque est puissante. Imagination, ça augmente l'attaque spéciale du lanceur. Le talent impassible. Augmente la vitesse du Pokémon quand il a peur. Il est pudique. Ah tiens, il sait encaisser les coups celui-là. Hein, puis c'est drôle, hein, parce que regarde. Le Riolu que j'ai capturé est de est femelle. Et celui de Pokémon Y. Ok, le chaos que j'ai dans Pokémon Y qui sait encaisser les coups est femelle. Est-ce que c'est juste un drôle d'hasard ou bien c'est juste que c'est des femelles qui sont capables d'encaisser les coups? Je sais pas. Peut-être que je vois en essayant d'en capturer d'autres. La nature pudique, ok. Bon. Mais c'est encaisser les coups, c'est quand même intéressant.